je suis contente de vous retrouver après une absence. Alors, j'ai été malade, j'ai contracté la grippe à cause de mon mari qui n'était pas bien depuis début de semaine. Donc, et puis, le lendemain après-midi que j'ai été au docteur, ça m'est tombé dessus. Mais alors, d'un coup, les frissons, mal aux articulations. Enfin, j'étais vraiment pas bien, j'avais froid, j'étais gelée et tout. Donc, de toute façon, j'arrivais même plus à tenir debout. Donc, j'ai été m'allongée. J'ai tout ça, puis après, la toux, encore le nez, pas trop, mais surtout la toux, la fièvre, ça c'est sûr. Et une douleur au niveau du dos. Alors, je vous dis pas, pour vous tourner dans le lit, c'est horrible. Encore là, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et là, aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais pas encore ça, quoi. Parce que j'ai souvent des bouffées de chaleur. Et des fois, des vertiges et tout ça. Donc, j'y vais tranquille. Là, je suis en train de faire actuellement tourner une machine. Bon, là, je l'ai mis sur pause le temps de la vidéo. Ou pas que ça dérange quoi que ce soit, mais sinon là je me suis décidée à faire une machine, j'en ai 4 à faire. 4. C'est grand n'importe quoi. Mais de toute façon, je pouvais plus rien faire, mais plus rien. C'est mon mari qui a quand même géré. Bon, lui, après, ça allait mieux, hein, forcément. Après, ma fille est tombée malade, juste après moi. Le lendemain, je crois. Oui, le lendemain. Non. Ça a commencé le samedi matin, le samedi soir je suis quand même allée au travail mais je suis rentrée tôt parce que ça n'allait pas. J'avais plus de force pour m'occuper des clients et puis dimanche je suis restée au lit toute la journée. Voilà, je pouvais pas, j'avais les muscles qui étaient lourds, j'avais la tête, j'avais l'impression que c'était une pastèque. Dans la soirée ça allait un peu mieux mais là dans la nuit j'ai toussé comme une malade et là ça va peut-être un peu mieux mais moi par contre à l'inverse de toi, moi j'ai le rhume qui s'est déclenché aussi. Et pour couronner le tout, parce que j'ai mon fils, alors lui, pourtant, il a tout fait pour éviter. Il a tout fait. Il était dans sa chambre. Il sortait pas. Il venait dans la salle quand nous, on n'était pas présents dans la salle. Et bien, il a chopé. Cette nuit, à 4h du matin, allez, bing, gros mal de tête, migraine. Ce matin, donc, j'ai appelé le lycée et ça l'embête parce qu'en plus, il voulait pas manquer parce que je crois que c'est mercredi, je crois. Je sais plus si c'est mercredi. Qu'il m'a dit qu'il avait un truc de philo, le bac blanc philo. Donc, voilà. Mais bon, il n'y peut rien. Donc, de toute façon, voilà. C'était sûr que tout le monde allait le choper, ce truc. Hein. Enfin, il fallait que tout le monde l'ait pour après que Noël se passe bien. Et tout ça à cause d'un collègue de son travail, à mon mari. Alors j'y ai dit, hein, tu colles plus tes machins, là, tes collègues là, qui sont malades, là, mal fichus. C'est bon. Voilà. Donc là, je vous décide de faire la vidéo du calendrier de l'Avent. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc j'en ai mis déjà 2 de côté pour mon chien parce que. Sinon, ça va faire beaucoup. Et Monsieur Boubou, en ce moment, vous savez comment il est, il mange. Hein. Donc, on va ouvrir ensemble la case numéro 11 du chien. Voilà. Oui, comment dire que c'est des petits granulés. Ah non, ça va, c'est comme ça. C'est en forme de cœur. Wow. Oui, ça arrive. Puis alors Monsieur Boubou il est perdu, hein. Nous voir qu'on n'est pas comme d'habitude et tout ça, doucement. Puis on n'est pas comme d'habitude, hier il me cherchait, il me regardait avec son os pour m'attirer, pour me narguer. Il a vu que je me foutais un peu de son os. Mais moi c'est pareil, vous voyez je faisais pas des câlins comme d'habitude. Oh oui. Hein. Oui, ça va aller mieux, maman et papa et daddy, hein, on va aller mieux. Hein? Maintenant, c'est Kian qui est malade, bébé. C'est bien parce que je peux lui faire des bisous. Il est imperturbable. Tant que je lui aurais pas donné son dernier truc, imperturbable. Hein? Oh oui.
Voilà. C'est beau. C'était beau. Elle a dit avoir voilà, rien donné. Hein. Voilà. Allez. Donc maintenant, on va ouvrir mon calendrier. Donc, alors, je sais même plus quel jour on est. On est le 11 aujourd'hui. Oui. Donc, t'as 9, 10 et 11. 9, 10, 11. Oh, voilà. Non, 8. Même 8. Donc 8, 9, 10, 11. T'en as 4. C'est bon, je peux ouvrir ? Parce que là, il y a la case numéro 8. Le chien veut bien me laisser ouvrir mon calendrier. Tu veux te maquiller, toi aussi ? Tu veux te maquiller ? Ah, mais tu le dis, hein ? Enfin, moi, tu maquilles, hein, si tu veux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je l'aide à l'enlever, maman ? Attends, je vais essayer de voir. Là. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gloss, ça. Allume la lumière parce que là on n'y voit rien du tout. C'est Rosywood. Mais je sais pas ce que c'est. Si toi t'arrives à savoir ce que c'est, je te tire mon chapeau. Donc et bien maintenant on va ouvrir la case numéro 9. Donc là c'est pas. Donc, marqué agité avant l'utilisation. Ça se trouve c'est un fin liquide alors. 9. On va ouvrir la case numéro 9. Oh là. Bon. C'est comme tous les. Dans tous les calendriers, on l'a. Oui, prenez tous les pinceaux. Moi j'en ai pas besoin parce que moi, avec ma fille, nous on s'est fait un truc. C'est une vieille planche qu'on avait en plastique là pour découper les légumes. C'est tout bête, hein, une petite planche. Et on a mis des traits de colle. Ça et puis bah, maintenant on frotte nos pinceaux là-dessus et c'est impeccable. Donc voilà. Après donc nous allons ouvrir la case numéro 10. Alors voilà, ça va bientôt se casser tout ça. Oula, ça c'est du shampoing réparateur à l'huile d'argan et boubou et céramide apparemment, cheveux secs et abîmés. J'ai pas trop d'odeur mais bon ça sent bon toujours. Je vais essayer ça parce que bientôt j'ai prévu d'aller chez le coiffeur. Mais peut-être pas pour me faire couper les cheveux courts, parce que court, non. Court, ça va me grossir le visage. Mais au moins, peut-être un carré plongeant, peut-être. C'est quoi ça encore? Oh, je sais pas, c'est bien. Donc, alors, on va ouvrir la dernière case. Donc, c'est la numéro 11. Ouh, voilà, ça va être pour ma fille, ça. Ah, tu peux mettre sur positif. Donc, désolée pour cette interruption. Nous venons de recevoir la deuxième partie du cadeau de mon mari pour son Noël. Très important. Donc là, on a reçu déjà la première partie. Il va être content. Et là, alors celui-là, il va être encore plus content. Donc, alors, on lui a... donc là, c'est du liner. Donc ça va être pour ma fille. Ah non, c'est crayon de contour des lèvres. Ouais, mais moi, ça, j'en mets pas. Bon. C'est plus pour ma fille. Oh bah oui, et puis la couleur. Si ça va avec le rouge à lèvres, trop bien. Parce que bois de rose, en fin de compte, c'est trop transparent pour moi. Mais bon, ça va aller pour ma fille, ça. Tiens, ma fille. Merci. Ça, Laura, ça. Alors, donc, eh bien, c'est quoi, alors, le truc? Je suis en train de chercher, justement. Donc, maintenant, on va regarder sur celui de Révolution. Donc, alors, le 8... Qu'est-ce que c'est ça encore? Oh, c'est un rouge à lèvres. Ah, j'ai chaud. Une grosse boîte, beaucoup de papier pour... Ouais, c'est un rouge à lèvres. Oh, puis la couleur, j'adore. C'est dans mes teintes à moi, ça marronné. Tout ce que j'aime. Ah ouais. Bah après, même s'il est trop clair, après, je peux le mettre avec le mixer avec un peu plus foncé ou
un petit peu de rouge pour rehausser et tout. Mais franchement, ouais, j'adore. Donc, c'est la teinte. Je sais même pas si c'est marqué. Hein. Il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué. Donc, maintenant, on va ouvrir la case numéro 9. C'est un rouge à lèvres liquide. Ah. Donc, ma fille vient de me dire que c'est un rouge à lèvres liquide. Alors, j'ai été voir carrément dans la description du calendrier de l'avant. Donc, eh ben, on va regarder. On va... Oh, ben, en plus, ça a l'air... Oh, ben, par contre... Ouais, ça va avec le crayon, donc tu vas pouvoir le garder. Hein. Alors, j'ai souhaité, mais il n'y a pas grand chose. C'est vraiment transparent. Mais bon, ça va aller pour ma fille. Ça. Tiens, cadeau. Donc là, j'ai ouvert le 8. Maintenant, je cherche le 9. Ah, il est là. Alors, ça va être quoi maintenant? Un truc pour ma fille encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je sais? Il y a marqué quoi? Attends, il faudrait que déjà je puisse lire avec leur écriture dorée ou autre sur du transparent. C'est de la base à paupières, c'est pour le fard. Ah, ben t'es à voir, parce que celui que j'avais essayé une fois, j'avais essayé, je crois, c'était une base pour les paupières, c'était Action, je crois. Ah, je sais plus, il y en a une base que j'ai essayé, ça me brûlait les paupières. Et par contre, il y en a une autre que j'ai essayé aussi de chez Action, et par contre, ça me brûlait pas. Donc, à voir, j'essayerai. Si ça me pique, eh ben, je donnerai à ma fille. Elle, par contre, ça ne lui pique pas. Mais moi, ça me pique. Donc, voilà, ça, c'est une base à paupières. Donc là, ben, j'ai ouvert la case numéro 9. Donc là, maintenant, la 10. Je la vois déjà. Ah oui, elle est devant moi. C'est quoi ça? Ça, c'est peut-être un liner. Ah, un mascara. Non, mais, je rêve. Mascara ou mascara pour les sourcils? Après, si ça... J'ai la sourcil, voilà. Ah bah. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Cela, brosse, elle est un peu trop petite pour du mascara. Ah, donc c'est transparent, alors. Ah bah oui. J'avais pas fait attention. Vous aurez pu, hein. Mais par contre, c'est vrai que des mascaras comme ça, par exemple, les mini, c'est bien quand vous partez en voyage, ben vous mettez, et au moins, ben, ça prend pas de place dans votre bagage. Hein? Ah. Et maintenant, nous allons faire la dernière, qui est la case numéro 11. Bon, oh, bah alors, on va aller ouvrir, on va aller ouvrir l'autre côté. Si ça veut pas, on va aller chercher nous. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est encore? Oh, ça, c'est un fard à paupières, ça, c'est sûr. Et ça, c'est tout ce que j'adore. Attends, je vais voir. C'est ce que j'adore. Fard à paupières crème. C'est vrai que la et couleur j'adore. Elle est jolie. Et j'adore. Oh oui, j'adore. Ah ouais, c'est magnifique. Ah franchement, magnifique. Magnifique. Alors par contre, la caméra rend pas justice hein, la couleur, mais elle est super belle. Ah ouais, franchement, en vrai, oh, ça fait un peu rose gold et tout. Enfin franchement, j'adore. J'adore. Ah, je suis contente. Alors, donc, et bien maintenant, nous allons ouvrir celui d'Action. Celui d'Action, je ne m'attends pas à grand-chose maintenant. Hein. Oui, déjà la 8. Oui, la 8, ça va être un petit taille crayon. J'attends pas grand-chose. Oh. C'était ça. Bye. C'était obligé. Ah. Alors ça, leur taille crayon, mais je crois que l'année prochaine... J'arrêterai carrément de le prendre parce que leurs accessoires, maintenant, on les connaît tous par cœur.
ils veulent pas changer de truc. Non, mais c'est vraiment du foutage de gueule. C'est ni plus ni moins du foutage de gueule. Donc là, c'est sûr que l'année prochaine, je le prends pas. Même qu'il coûte moins de 20 euros, non, non, non. J'ai voulu, cette année encore, j'ai voulu insister, mais voilà. Ça m'apprendra, hein, de toute façon. Mais non, l'année prochaine, ça c'est sûr que l'année prochaine, je reprends Révolution, Nocibé. Mais ma fille, elle, c'est sûr, catégorique, qu'elle va reprendre Yves Rocher. Parce qu'elle en est contente. Elle a reçu un échantillon de pain. Il sent trop bon. Il sent super bon. Il sent le frais. Tout ce que j'adore. Puis là, l'autre fois, je me suis commandé des parfums. Attends, tu peux aller les chercher Ils sont où? Ben, à la fin, tu sais, là où, dans le placard, là, dans la salle de bain. Ah, bon. Alors, le ciseau, il va être où? Caché sous les pieds. Ça, c'est un peu casse. 15 bonbons, c'est du blush hein, que j'ai eu. Ah bah. Ah voilà. Donc c'est du blush. Ouais. Vous allez rien voir parce qu'on voit rien du tout. C'est. Mais bon après, je sais que par contre, leur blush. Au niveau de pigmentation, il y en a, hein, ça marque bien. 2,3 grammes, je crois. Donc, c'est la couleur, c'est la 164 Dusty Rose. Et je crois que je l'ai en plus. De toute façon, ils font que deux sortes de teintes en blush. Donc, après, donc 9... 10, 11. 10, 11. Oh là là, merci ma fille. T'es mieux réveillée que ta mère, toi. Encore une daube, faut pas changer. Ah, je vous dis, je les ai. Voilà, le miroir, le fameux miroir. Ah non, mais c'est bon. 10 et le 11. Donc là, la. Ah oui, à l'horloge. Là, l'année prochaine, non, je le prends pas. Ça, c'est sûr, garanti. Celui, une fois, une année, j'ai. Voilà. Et voilà encore une autre daube. Oh, ça va me servir, moi. Mais ça va être pire pour ma fille. C'est pas perdu pour tout le monde, mais bon. Non, mais là, je sais pas où on va. Mais... Et franchement, leur truc... Enfin, il y a une année, j'avais acheté pour ma fille. C'était la première année. Ah ouais, et franchement, il était super. Il y avait des petits vernis à ongles, dont un que j'adorais, sa couleur. Que t'aimes toujours. Que j'aime toujours, mais bon, malheureusement, ben, force, hein, le vernis, hein, il s'abîme. Elle avait eu des rouges à lèvres. Elle avait eu pas mal de choses. Maintenant, on n'a plus de tout ça. Et là, je m'aperçois que je cumule les daubes. Tous les accessoires. Là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Un. Il y a un crayon. Un, deux. Et trois avec les strass. Non, mais c'est du foutage de gueule. Non, mais l'année prochaine, c'est clair. Je ne prends plus. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'arrête. Je prendrai Révolution. Et Nocibé. Et j'arrêterai là pour les calendriers de l'Avent. Et ma fille, elle m'a dit qu'elle reprendrait ses Yves Rocher. Calendrier bijoux, c'est pareil, elle ne reprendra pas. Et Harry Potter, mais ça sera un autre Harry Potter. Oui, ça sera celui de Ciné Réplica. Voilà. Alors, donc, moi, je me suis... Il y aura des chaussettes dedans. Donc... Ah oui, ah bah oui, pas de chaussettes. Donc, moi, je me suis passé une commande chez Ulrich de Varins. Parce que j'ai vu des parfums. Ils font même pour les messieurs. Ils font café. Bon, je n'ai pas encore essayé. Hein, parce que j'aime bien sentir avant. D'habitude, j'aurais jamais acheté sans sentir. Mais vu la description... Ça me donnait envie. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci, le orange. Bon, il y a une odeur d'agrumes. Ah, j'adore. En plus, j'adore. Ça sent bon. Franchement, ça, je vous le conseille. Il sent super bon. Si vous aimez les agrumes, vous allez être gâtés. Surtout là, un peu la mandarine et tout ça. Donc, c'est super bon. Après, j'ai pris le jaune. Et
Et celui-là, il sent bon aussi, frais. J'aimerais bien me trouver ces mimosas. Et je sais qu'avant, c'était Yves Rocher qui le faisait. Ça coûtait super bon. Ouais, ça sent le frais, ça. J'adore. Et celui-ci, ben, je vous le présente, mais je l'ai déjà. Et c'est celui que j'utilise en ce moment. Celui que j'ai, il est presque fini. Il me reste peut-être que ça, je crois. Et ça, j'adore. Je le mets à chaque fois en sortie de douche et tout. J'adore. Il est frais. Il me fait penser un peu à au jeune. Franchement, il est super. Et après, pour finir, j'en ai pris un autre. Alors, j'en avais pris deux. Mais le deuxième, je l'ai donné à ma fille parce que ben, malheureusement, ça sentait la vanille. Et non, 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 non. Dès que j'ai senti l'odeur, j'avais envie de vomir. Tellement que ça sentait fort la vanille. Donc, ben, j'ai donné à ma fille. Ma fille, elle m'a dit, ah, ça sent bon. Ben, je dis, vas-y, tiens, prends-le. Je te le donne. Donc, là, par contre, c'est un petit flacon quand même. Hein. C'est un flacon de... Je ne sais même pas si c'est marqué. Ben, alors... 25 millilitres. Pas beaucoup hein. Mais bon, ça c'est alors celui-là, ils sont super bons aussi. Enfin, tout ce qui est agrumes, moi j'adore tout ce qui est agrumes. Ce que j'aime bien aussi, c'est ben, mimosa. Ça sent bon, ça. J'adore le mimosa, moi. Mimosa, ça, j'adore tout ce qui est frais et même les agrumes, les j'adore donc. Moi, mais de toute façon, mes parfums préférés, c'est agrumes, mimosa et chaud. J'aimerais bien me trouver aussi ça, l'ananas. Mais bon, là, faut peut-être pas trop pousser. Faut peut-être pas trop pousser, hein, parce que je sais même pas si ça existe. Hein, mais bon, ça serait bien. Mais bon, donc voilà, je me suis fait ça comme petite commande. Ça a été relativement vite en plus. Et donc ma fille, elle a eu ça par Yves Rocher. Elle a eu une eau micellaire démaquillante 2 en 1. Voilà. Après, elle a eu dans Harry Potter, elle a eu un tampon. Alors ça me fait penser à moi, ce que j'avais quand j'étais gamine. Mes parents, ils nous avaient acheté plein de petits tampons comme ça, où il y avait des dessins. C'était souvent les animaux. Et après, avec les grandes plaquettes à encre et tout ça, et on s'amusait sur les feuilles et ça nous occupait hein, le week-end quand il faisait pas beau. Et on s'amusait à faire sur les feuilles les tampons et après on coloriait et tout. Et c'était sympa. Donc, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu ça. Donc voilà, elle a eu ça. Et par contre, ben, le calendrier bijoux, elle a rien eu. Hier, j'ai eu un collier dans le calendrier des bijoux. Mais bon, on vous présente c'est, même pas... c'est les colliers qui sont un peu chiants. Après, la veille, j'ai eu des boucles d'oreilles, mais même à peine j'ai déposé, elles se sont cassées. Oui, donc c'est voilà. Pour ça que de toute façon, on va même pas vous présenter les bijoux, parce qu'on en est vraiment déçus. Après, crois que... Harry Potter, j'ai eu une baguette inspirée de la baguette d'Hermione Granger. Hier, je m'en rappelle plus. J'ai ouvert hier, mais je ne me rappelle plus. Parce... Ah si, c'est le truc là que t'as offert, tu peux le truc sur un vêtement. L'écusson, voilà. Voilà. Et Yves Rocher, alors, je ne me rappelle plus, pas d'hier, mais de l'autre jour, je ne me rappelle plus. Mais hier, j'ai eu un masque à la jojoba et à l'huile de karité pour les cheveux, voilà. Mais par contre, ne me demande pas l'autre jour parce que je ne me rappelle plus. Donc voilà, mais non, franchement, Yves Rocher, elle en était ouais. Contente. T'avais pas eu aussi un truc là, tu sais, les senteurs d'été là. Enfin, c'était parfois, mais t'en as parlé la dernière fois, c'était pas le jour où je commençais non, à être pas bien. Non, c'est... Ah, que t'adores, soit l'odeur, mais moi je ne supporte pas. L'été... Tu sais, là... Ah les... non, j'ai pas eu d'huile de mon oeil ou quoi.
Attends. Ah, j'ai une crème pour les mains, mon oeil. Ça faisait voilà. La deuxième. Voilà. C'est bien, tu retiens mieux. Non, parce que j'ai vu le packaging, ça m'a fait penser aux îles. Oui, donc mais c'est oui, ça. Parce que, et que j'ai dit que je l'avais déjà eu en cadeau, donc ça m'en fait deux au mon oeil. Donc voilà, et puis t'as eu aussi l'échantillon de parfum. Et n'empêche, ils ont fait un effort. Hein, ah oui, parce que là, ébaucher. C'est un échantillon de parfum qui est quand même grand comme ça. Oui, c'est un petit flacon avec deux. Et franchement, ah, ça sent super bon. Ah, moi, j'adore. C'est pour ça que l'année prochaine, je le reprends parce qu'il est. Alors, comme elle a, là, en ce moment, apparemment, c'est en promo. Le parfum qu'elle a eu, elle peut l'avoir en promo. Ou, sans promo, elle paierait encore moins cher qu'avec la promo. Oui, parce que là, la promo, il est à moins 40%, pardon. Et s'il n'a pas la promo, moi, j'ai reçu un truc moins 50%. Donc, je peux avoir moins 50% sur un parfum. Et ça lui coûterait moins cher que la promo. Donc, autant qu'à faire, hein. Donc, j'ai dit à ma fille, ben, t'attends. Puis, ben, après. Ouais, mais j'ai jusqu'au 31 décembre. Ah oui. Hein, c'est des malins, hein, de toute façon. Enfin, quoi, de toute façon, c'est toute l'année chez eux. Alors, en même temps. Donc, voilà pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc, puis, ben, de toute façon, maintenant, ça va reprendre. Hein, parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudrait que je me bouge. Ça va être, c'est le plus dur, c'est de reprendre. Bon, j'y vais doucement. Là, j'ai du linge en retard à rattraper. J'ai pas mal de choses à rattraper. Donc, mais bon, ça va le faire. Après, ben, en plus que cette semaine, la semaine prochaine. Et après, c'est les vacances. Et après, c'est Noël. Et oui, ça passe vite. C'est un truc de fou. Déjà, on est le 11 déjà. Vous imaginez? Et puis, il faut se dire qu'à Noël, quand on sera le 14, il nous restera plus que 10 jours. Et il faut se dire qu'à Noël, là, moi... On sera plus malade vu que tout le monde aura chopé la maladie. Ah oui, mais bon, après, je sais pas ce que ça va être. Enfin, donc sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour la suite des ouvertures des calendriers de l'Avent. Bisous, bye.